T'as une femme, t'as des enfants? C'est mort, c'est sûr, t'es célibataire. J'ai jamais trempé le biscuit. Oh là! Voilà, dilemme. Sa femme, c'est sa voiture. Exactement. Bah, on est rentré dedans plusieurs fois, Roya. Mon bail dans le bon échappement. Ah, Roya! Je me suis mis à l'aise. Je suis gang pour la famille, on est baigné. Je suis venu tout droit comme un 46. T'étais pas ready quand j'ai sorti le liquide. Cagoulé armé dans la berline. Quitte à prendre 10 ans ferme. Je ferai tout ça pour mes frères. On a vécu dans la détresse, mais plus rien nous arrête. Du trafic des kilos de mes qui s'écoule en une semaine. On est ready, go fast to point A, go fast to point B. On est validé, Black Mafia sous vous, fous dans la berline. On est ready, go fast to point A, go fast to point B. On est validé, Black Mafia sous vous, fous dans la berline. Et bonsoir. Comment ça, je t'ai fait peur? Bah, je sais pas, tu viens de là. Genre, tu viens d'où? Et toi, tu viens d'où? Bah, de là, moi. Nous venons tous de là, d'ici, de là-bas, c'est en vrai, même temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment allez-vous? Tony, Kadi? Ouais, tranquille. Hein. La forme? C'est moi qui l'a... Ouais, ça va aussi. Encore? Quand? Ouais, bah là, tout à l'heure, avec... Attends, vas-y, explique-moi. En fait, on était avec... bah, de nous trois, plus un taxi. Ouais. Il y a des marins qui sont venus, ils m'ont pris moi et moi. Où ça? Vous étiez où, vous? Bah, ici. Sur le parking? Ouais. C'est pour une flicca un... Non, juste pour nous raqueter, nous sommes dans une réelle, ils nous ont pris bijoux, lunettes et tout. Les marins, t'as dit hein? Ouais, mais pour nous dire que. Ils ont du barabunda et tout. Je vais te dire les termes pour nous dire que t'étais un gros des poutins. Pourquoi? Je sais pas. Je sais. Vous avez un numéro? Vous connaissez des marins ou pas? Pas du tout. On a déjà ami des. Je crois qu'il y avait Tobias aussi et un mec, je sais pas c'est qui. Vas-y, ça marche, merci, je vais les trouver, je vais les égorger. Ouais, tranquille, vas-y. Allô? Tobias, ça va ou quoi, Roya? Non, c'est un nain, ça va, Mathieu? Il faut qu'on bute des marins, Roya. Merci beaucoup, monsieur médecin. Ouais, t'as vu, faut que je te parle, Mathieu. Vas-y, je suis au Burger Shot. Ah, t'as vu, t'as une info? Ouais, je suis au Burger Shot, Roya. On va les tuer. T'es où? Je suis en train de me faire sonner par un médecin. Y'a qui d'autre? Y'a Hamid. Vas-y, ok, je vais en radio. Hamdoullah, je suis au Burger Shot, Roya, si tu veux venir me chercher. Il a été braqué encore une fois. Je sais, ça me casse les couilles. Mais vraiment. Hier, tu sais qu'ils ont braqué à l'intérieur même du Burger Shot pour faire une flicca. Et aujourd'hui, maintenant sur le parking. Wesh, on est devenu la pute de Los Santos ou quoi? Ouais, mais non, mais tout à l'heure, c'est pour me faire passer un message comme quoi j'étais une grosse pute. Alors je les connais même pas, ces chiens. On va leur cacher leur grande. Ouais, on va aller les voir. Vous êtes équipés? Ouais, on s'équipe. Non, il est parti déjà. Il est parti faire quoi? Je sais pas. Il s'en va là. Yo. Moi, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de. Wow, attention les mecs. Il se passe quoi? Rien. Il se passe rien du tout. Non, mais vous êtes rentré en fait, vous êtes sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce qu'en fait, on est venu ici. Attendez, on avait faim. Et après, on vous a vu, on a dit non, on a plus faim, c'est bon. Comment ça, vous avez plus faim? C'est quoi des délires là? En fait, vous êtes tellement beau qu'on se nourrit. Donnez-leur à manger, vous allez manger ce soir, moi je vous le dis. Non, j'ai pas trop faim. Si, tu vas sortir, tu vas manger. Celui dans la voiture, il y a 2 minutes, il a dit on va au crucial, c'est vachement mieux. T'as dit quoi toi? Le crucial? Eh, sors. Sors. Déjà, enlève ton masque, viens, on fait connaissance. Vas-y, j'en fais connaissance. Voilà! Comment ça tu vas au crucial? Je vais vous servir les meilleurs burgers! Venez, attrapez-les, faites-les rentrer! Venez! Ça, on va pas la tête, y'a pas de crucial ici, wesh! Allez, les filles, les meilleurs burgers! Sauce magique! Allez-y, rentrez, installez-vous! Crucial! Mais il est malade, hein, ou le chenot? Regarde, y'a tellement de braquages que les gens maintenant ils veulent même plus venir au Burger Shot, ils vont au crucial! Wesh! T'inquiète! On est devenus des pites, nous? On leur fait payer du coup? Bien sûr, on le fait payer. Ok. $75 le menu. Et la sauce magique, je t'ai craché le temps. Bien, voilà, exactement ce qu'il fallait faire. Vous savez que le mec là qui avait son max, c'est le frère hein. C'est mon frère. Ah bah parfait, nickel. Alors c'était bon? Ouais, c'était. Et voilà, y'a pas de crucial ici. En plus, les mecs, y a un comico qui est juste là de base, tu vois. Genre, tu viens, tu braques des gens, tu vois. Alors que le comico il est juste là. Bah, ça a aucun sens, tu vois. Non, c'est les marins parce que je les avais chauffés, je crois, une fois à l'hôpital. Genre, je leur avais passé pour qu'on s'explique pour qu'ils tabassent soi-disant mon restaurant. Sauf que c'était le jour où il y avait Squid Game. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Et j'ai pas leur numéro. Bon, on va s'occuper des marins, on arrive. Ouais, je les Power Rangers. Bonsoir, ça va, patron? Fils! Enchanté, oui. Descends. Ouais. Réunion de crise. Je sais. Bon, qu'est-ce qui se passe alors? Il faut qu'on fasse un brainstorming, Mathieu. On a parlé à qui là? C'est la crise de Mike Maker. T'as le numéro d'un marin? J'ai parlé avec personne, moi. Mais t'as le numéro d'un mec ou pas? T'as le numéro. Envoie, s'il te plaît. Ok, attendez. Là, c'est chaud, la Vils. C'est chaud. J'ai contactationné un book qui en a un. Comme ça, il me fait une passe D et je refais une passe D. Ok. Donc là, t'en as pas pour le moment. Si, j'en ai un, mais il est en téléchargement. D'accord. Je vais aller dans leur quartier directement. On va dans leur quartier? Ouais. T'as pas de numéro de marin, ils sont jamais là, mais comment ça? Alors là, on va soulever la teinte! J'ai l'impression qu'ici, c'est devenu le,
Mais Roya, mais t'es mal, mais ce que je comprends pas, y'a un commissariat juste à droite, Roya. Ça rend fou. Attends, mais t'es en train de dire que là, ils ont peur de rien, ces bandits. Bah ouais, c'est ça que je suis en train de me dire. Bah c'est des racailloux, qu'est-ce que je te dis. Mais pire que ça, du coup, t'as un numéro ou pas, Roya? Bah attends, ça je télécharge tout le monde. Putain, mais Roya, t'es en ADSL ou quoi? Mais je suis en 2G. Putain. Je suis en Edge. Dites-moi, il est où leur là, c'est ce que c'est, le bourreau, je sais pas quoi, leur truc de merde là. Le bourreau, ouais. Ah ouais, je te mets le GPS, Merci, merci. Oui, allo Yams. Ouais, allo, tu m'appelles. Ça va bien la forme? Ça va et toi? Ouais, ça va, non, ça va pas. Eh, dis-moi, tu connais pas d'Amara? T'as pas le numéro d'Amara? Amara? Ouais, n'importe lequel. Je pense pas, pourquoi c'est passé quoi? Ah, ils sont encore braqués mes employés et pour me faire passer un message, je sais pas quoi. Ah, je te rappelle juste après, ça va? Vas-y, ça marche. Juste à gauche là. Là? Ouais, c'est là, là. Ça a l'air beaucoup trop calme cette merde. Ouais. Le Balas, il m'a dit qu'ils étaient rarement en dehors du quartier. Essaye d'appeler peut-être le Bénis pour voir s'ils sont là-bas. Attends, mais tu vas me dire qu'ils sont sortis de leur quartier, ils ont... Ils sont rentrés. Des menaces de Burger Shot, ils sont rentrés à la maison, genre. Est-ce que vous avez vu un véhicule bleu? Non. Enfin, on n'est pas sûr, mais on va essayer. On est d'accord. Si vous le voyez... Ah, une voiture bleue à côté d'un quartier marrant. C'est eux. Je pense, hein. Okay. Ouais, ils ont tourné un peu, ça. Ça me semble... On va discuter d'abord, les gars, on va discuter. L'homme qu'on va abattre. Et pas de nom, s'il vous plaît, pas de nom. T'habillez comme des commandos, là, bande de fous. Enlevez vos tenues là. Ils vont croire qu'on fait la guerre là, mais. Enlevez vos gilets pare-balles au moins. Il y a un Zuma là-bas. Ouais, c'est Cox. Oh, Storf. Qu'est-ce qu'il y a? Mais jamais ils vont nous entendre. Je vais lui parler. Vas-y, t'inquiète. Ils sont bien rentrés dans mon bar, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, bonsoir. Comment t'allez-vous? C'est moi qui vous parle. Très bien, seigneur. Et moi, tu me poses pas la question si je vais bien? On bat les couilles de la fille, si tu vas bien ou tu vas pas bien. Ah, d'accord. Diablo, okay. Y'a du monde du quartier. Ouais, y a du monde. Appelle tes gars. Tu vas savoir qui je suis. J'appelle tout le monde. Je suis le PDG de Burger Shot. Et ah apparemment... ouais, c'est toi l'autre fils de pute là, qui disait le malin, qui disait que 5K, il disait ça. Non mais attends, déjà ouais, pourquoi ça, ouais. Depuis quand vous rentrez comme ça dans le barrio normal? Ouais, depuis quand vous rentrez dans mon restaurant comme ça? Eh, je t'ai dit, dans le restaurant, on va le martyriser, on va le braquer tous les oui, jours. Oui, mais ouais, d'accord. Ben venez, sortez de vos quartiers. Venez, on sort. Tu tombes pas trop à l'heure, mais c'est carré. Que je sorte. Bah oui. Moi, ici, dans le quartier, je te prends dehors. Je te vois si t'es quitté, rien dans un cahier. Je te connais pas, toi. Bah justement, bah moi, maintenant, je vous connais. Je vais te présenter. Bon, vous avez attendu que je sois pas là, qu'il y ait très peu d'employés pour venir taper dans mon restaurant, à braver les règles de base, on va dire de la politesse, à savoir déjà vous présenter. T'es qui toi? T'appelles comment? Moi, je m'appelle Felipe, toi, je suis à Marabunta. Ici, t'es dans la cahier, toi. Regarde tous les gens qui te regardent par les fenêtres. Ouais, je sais. Et Felipe, tu sais qu'à côté du Burger Shot, il y a quoi? Il y a quoi à côté du Burger Shot? Il y avait Spurchi. Ah, ouais, il y a un commissariat. Hamar que tu es. Donc, tu viens taper mon restaurant à côté d'un commissariat, c'est ça? Allez, parfait, on se bat sur le barrio maintenant. C'est quoi ces manières? Donc Philippe, écoute. Tranquille Diablo, attends. Écoute. Ouais, alors. T'es rentré dans mon restaurant, t'as foutu la merde. Bon, mon restaurant il se fait braquer tous les jours. À un moment donné je vais péter un câble, d'accord? Donc la prochaine fois que vous venez comme ça dans mon Burger Shot pour semer le trouble, ça va pas se passer comme ça, d'accord? Là je suis gentil, je suis avec mes gars, on est posé tranquille. Et la prochaine fois ce sera pas comme ça. On se réfléchit à deux fois. Métraillettes comme ça, c'est. Vous êtes qui toi? Voilà, mais justement, tu sais pas qui on est. Tu vas pas me respecter. Tu sais pas qui on est. Philippe, ouais, justement, prends mon numéro de téléphone. Je crois que j'ai déjà ton numéro, c'est le patron, ouais. C'est ça. T'es sûr? Vas-y, c'est comment mon numéro Tu t'appelles Mathieu, un truc c'est comme ça, non? C'est ça, ouais. T'es si, j'ai déjà ton numéro. Ouais, et pourquoi tu m'as pas appelé? Mathieu. Pourquoi tu m'as pas appelé? La fois, je crois que j'ai essayé de t'appeler, je sais plus. Moi, je sais pas trop utiliser un téléphone. La prochaine fois que tu veux régler tes comptes avec le Burger Shot, tu m'appelles et on s'explique. Mes employés n'ont rien à voir là. Tu m'avais dit rendez-vous 22h30. Ouais, ce soir-là, tu sais très bien que c'était pas possible, d'accord? Donc, tu aurais pu m'appeler. On aurait convenu d'un rendez-vous et on serait expliqué. Maintenant, t'as fait les choses à ta manière, c'est un peu chiant, tu vois. Alors, comment on fait maintenant? Comment on fait? Je vois que t'es pas n'importe qui, un Armano avec une putain de mitraillette. C'est pas le quartier à sa mère. T'as dit la marabouta, je vous écrase. Moi, je suis pas n'importe qui, je suis un grand lacayé. Tu m'as dit tout ça, c'est moi qui vous contrôle la dernière fois. Ouais, exactement, ouais. J'en ai parlé à des grandes, ils m'ont dit, tu te connais pas. Non, vous me connaissez peut-être, non? Non, franchement, pas. À part voler vos burgers, ouais. Moi! Je te connais pas, à part, je me suis renseigné, c'est un ancien ici de la calle Calimero. Il m'a dit, avant tu t'as travaillé avec un ancien RFM, mais aujourd'hui t'es plus rien. Ah, disons que lui n'est plus rien. On va dire que j'ai pris la relève. D'accord, donc toi ça marche toujours ton business alors. Philippe, ils sont où tes grands? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils dorment. Toi t'es quoi toi? Qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Moi, je suis redevenu un pequeño, je suis un tout petit maintenant. Parce qu'il préfère un tout petit que de me prendre la tête. Ok Philippe, voilà ce qu'on fait. La prochaine fois qu'il y aura tes grands, il me passe un petit coup de fil. Je passe un coup de fil quand il y aura le RFE. Voilà. Et comme ça, je parlerai directement avec lui, ce sera mieux. Zéro. C'est bon pour vous? Le message il va passer, carrément. Nickel. Allez les gars, bonne soirée. Et voilà, on voulait te montrer que la marque.
Ah, on n'est pas là pour... Non, vous n'êtes pas là pour rigoler, mais nous plus, on n'est pas là pour rigoler à vos blagues non plus. Hein. Je vois ça, clair. Elles sont pas drôles. Les couilles de venir ici dans le quartier. Allez les gars, bonne soirée. On s'y est encore. Si. Oh, bon courage. Putain. Un flingue. Respecte personne, t'es voyou. Des voyous en Air Jordan et chaussettes de ski. Hein. On appelle ça des voyelles. Bah ouais, voilà. Mais bon, bah voilà. Au moins, j'aurai rendez-vous avec leur réfé parce que là, je parlais avec des cafards, ça m'intéresse pas. Ouais, on parle au patron, nous, pas de ses assistants. Dealer. Voilà. Oh, on est sympa, on rigole et tout. Mais deux fois quand on braque le burger. Non, chasse... nous, les gars, on est des calmes, mais on est des faux calmes. Tu vois ce que je veux dire? Faut après se méfier de l'eau. On est des faux, quoi. Voilà, se méfier de l'eau. Non, toi, t'es un vrai con, regarde. Bah, des fous. Moi, je suis un faux con. Un true, quoi. Ouais, t'es un faux cul, toi. Un fuckboy. Tobias. Oui. T'es beaucoup énergique, je trouve. Mais je parle même pas depuis tout à l'heure. Non, c'est vrai, il est calme. T'es vitaminé. T'es beaucoup trop énergique. Mais parce que la vie vaut le coup d'être vécue, ça se trouve demain, on n'est pas vivant, mon ref. Bon, baby driver. T'as un plan là, j'ai envie de faire une bijouterie, une flica, j'ai envie de l'adrénaline là. Bah ouais, de la drogue. J'ai mon acolyte avec qui on fait des plans sexy, il arrive pas à se réveiller, il est dans le coltard. Eh les gars, j'ai reçu un message, il m'a dit je suis désolé Seigneur Mathieu, je croyais que tu es un gars qui faisait le malin, je vais pas de problème avec mon jefe. Bah lui il est mort hein. C'est qui c'est... Attends, c'est le maraboutin? Ouais, c'est le mara. Oh le bolos. Eh Mathieu, tu crois que c'est possibilité, genre un jour, d'organiser un... Mais pourquoi tu parles comme un Mac Macintosh là? Mais je parle à pas comme de la Macintosh. Vas-y, dis-moi, vas-y, je t'écoute. C'est un pénère ça. Est-ce que tu penses qu'un jour on pourra braquer le concessionnaire automobile et voler une voiture à des millions de dollars? Eh, casse-toi de là, là. Ça serait un truc de ouf. Toi, t'es avec qui? T'as un groupe? T'as quoi? T'as une organisation? T'as un gang? T'es quoi? T'es qui toi en fait? C'est quoi ça? Mais moi, présente-toi un peu. Présente-toi. Enchanté, moi c'est Fils. Bon. Eh, bah les couilles, je m'en fous. Allez, on monte. Les gars, vous êtes équipés pour faire un braquage ou pas? C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, vas-y, imagine, on braque un concessionnaire, une voiture à 5 millions. Oh, le soleil derrière, il me fait. Oh putain, je suis en train de bander sa mère. T'as vu le soleil? Comment ça? Fils, touche. Touche, s'il te plaît, touche. Attends, moi, mon ref là. Touche! Mais je vais te mettre une gifle dans ta tête. Mais touche ton gros crâne, va! Touche ton gros crâne, wesh! Touche! C'est chelou, toi! Mais moi, je suis en Defcon 2, moi, je touche pas. Voilà, il m'a ramené à Los Santos Homos là, putain! Quoi? C'est un malade, jamais je nettoie les vêtements avec du homo. Je mets que de la vaniche. Bon, les mecs, on fait. C'est fou. Baby driver là, c'est quoi ton plan là pour faire le braquage là? Ça me dégoûte. Je t'ai dit, j'ai pas mon acolyte là, tu crois que je suis c'est qui moi? C'est quoi? C'est pas grave. Eh, hey, j'ai dit baby driver, j'ai pas dit baby driver 1 et 2, non? Je parle à voilà. Toi. T'en veux qu'un? Bah ben ouais. Ok, très bien, va à la banque. Ah. Attendez, déjà, on prend quel véhicule? Jugular? Quel véhicule? On peut prendre. Quel véhicule? Mais si on prend le véhicule, la jugular, on va laisser en 2 secondes. Non, jugular, c'est éclaté en vrai. Quoi? Mais c'est un missile, qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais non, mais c'est trop cheaté, wesh, quand je dis éclaté. Voilà, c'est trop puissant. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez commencer à braquer avec des voitures claquées au sol? Avec celle-là, elle est bien. La felon, ouais. Celle-là, elle est moi, bien. Moi, je me dis, non, c'est pour un défi, on prend une voiture qui est nulle et on essaie de se mettre la police avec. Croyable, j'ai pas envie d'aller au Habs, hein. Et les mecs sont chauds. Non, t'as quoi comme véhicule, toi, Phil? Moi, j'ai RS3, enfin, tel qu'il te reste. Vas-y, elle est où? On va la chercher. Elle est à la maison. Ouais, mais d'accord, mais ta maison elle est j'te où? Je te mets un PSG, bouge pas. Putain, fais-moi un PSG sur le GPS. T'as une femme, t'as des enfants? C'est mort, c'est sûr, t'es célibataire. J'ai jamais trempé le biscuit. Voilà. Voilà, dealer. Sa femme, c'est sa voiture. Exactement. Bah, on est rentré dedans plusieurs fois, Roya. Je mets mon bail dans le pot d'échappement. Ah, Roya, je me suis mis à l'aise. C'est pas. Franchement, c'est pas halal ce que tu dis, mon ref. Eh oui, Roya, on est des têtes. Avec halal, là, tu parles halal, on va faire un braquage, Roya. Toi, tu manges halal, toi? Tu mens, oui. Toi, espèce d'aimanté. Tu mens. Fils, tu viens d'où? Tu viens d'où? Quoi? T'as fait du saut de mouton avec. Mais je vais péter un câble avec ma future ex. Ah ouais, au bord de la plage, Roya. Les gars, banque ou bijouterie? Banque, hein? Ouh, ouais, une petite banque, vas-y. Banque, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas fait la bijouterie. Non, banque. Flemme. Ouais, flemme, bijouterie, c'est pas ouf. Place c'est des cubes. Place des cubes, vas-y, go. J'adore le risque. C'est moi, je suis un mec, j'adore le risque. Vas-y, Phil, mets-toi sur la radio 93.00. Vas-y. On s'y rejoue, on cherche les otages et on fonce. Vas-y, je vais essayer de faire un plan rapidement là. Burger shot. Bah moi c'est le cuisine. Je voulais faire la blague après j'ai dit il y a un gars il veut le faire avant moi. Oh, okay. À gauche, pas la meuf. À gauche, pas la meuf. C'est nous. Monte dans la voiture. Deuxième fois, je me fais trahir par ma famille, je me fais kidnapper. Oh putain, trahir par ta famille. Non, mais tu sais quoi, raconte-nous ta vie, regarde, vas-y, raconte-nous. Dis-nous ce qui s'est passé. Dis-nous ton background. Passe ta tête sur mes genoux, vas-y, passe ta tête sur mes genoux.
Je peux là, j'ai le droit. Bien sûr, bien sûr. Attends, jette d'abord tes armes, ton téléphone, ta radio si jamais. Je vous donne tout, oui. La tête sur les genoux, c'est vraiment très bizarre. Je mets juste ma ceinture. Allez, présente-toi, regarde. Attendez, vous pouvez juste me donner la radio pour que j'éteigne. Confie-toi, confie-toi, confie-toi. Merci, tac. Voilà. En gros, je vous explique, j'ai eu un petit malentendu avec mon cousin. D'accord. Mais rien de plus. Mais attends, tu t'appelles comment déjà toi? Je m'appelle Dédé, c'est Dédé la Rafale. Dédé la Rafale, Dédé la Rafale, d'accord. Ah ouais, déjà c'est un prénom, ouais, pas ouf déjà de base. Vas-y. Oui, après c'est David, mais ça fait moins peur. Okay. Et après, en gros, je sais pas pourquoi, mais sa sœur, elle a pris des initiatives, elle engage. La sœur de qui? La sœur de qui? Tu m'as perdu là. De mon cousin. De ton cousin. Ouais. Mais comment il s'appelle ton cousin? Adri. Adri, bah déjà c'est mieux, tu peux t'aider la rafale, ouais. La cousine d'Adri, du coup. Non, la sœur d'Adri. La sœur d'Adri, donc Adrienne. Ouais, Adrienne. Ok. Elle a engagé des gars pour m'attraper. Ouais, pourquoi? D'accord. Bah justement, à ce qui paraît, je l'avais éjecté de la famille alors que c'est moi je suis parti de la famille. Tu l'as éjecté de la famille? Ouais, à ce qui paraît. Zama, toi t'as un bouton éjectable, tu peux éjecter les gens comme tu veux. En fait, j'appuie et hop, ça dégage. Ok, pourquoi pas. Et du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ah ok, moi en fait, je suis sa pute. Ouais. Après, j'ai dit, moi, ma mère la pute, si je veux pas choper des armes et je vais pas fumer. Attends, mais du coup, attends, ta mère c'est une pute, je comprends plus là. Non, j'ai dit en mode, si je le fais pas, ma mère, bon. Ok, mais tu l'as fait ou pas? Ah, mais tu l'as pas fait. Mais je vais le faire, je vais me faire enculer là. Il y a peu. Ça passe ou pas là? Ouais, c'est limite. Ouais, t'es limite. Oh, si, ça passe. Monsieur, oui, ça passe. Monsieur. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On voudrait savoir c'est où la flicaine la plus proche. C'est pour un dépôt. Vainwood, hein, sûrement. Vainwood, seigneur. Vas-y, monte avec nous, Roya, monte. Dépose tout. J'ai mon réfé qui est mort, je peux pas. Oh non, une exception. Oh non, vas-y, on laisse. Attends, mais c'est pourquoi il est mort? Il s'est fait éliminer par Dépoyos. Je suis désolé. Monte, Taras. T'es ouf, toi. Oh là, dépose tes armes, ta radio, je sais pas quoi. Je sais pas les couilles. Donne-moi tout ça. T'as quoi qui s'est fait éliminer? Les histoires ou quoi? On en a rien à foutre, ton réfé, on le connaît pas. Voilà, dis-le. Oh. Oh non. Ouais, le mec en pyjama. Lève les bras, s'il te plaît. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Eh, madame, t'as rien vu. D'accord. C'est un nom prêt, madame, à long terme. C'est quoi ton nom, madame? D'accord. Lia. Hein? Lia. Lia, enchantée, Lia. Tu fais du bon travail, continue comme ça. Ok, merci. C'est super. Oh non. Eh, monsieur. Ça va pas, Le dans le coffre, t'es un vagos? Ah, c'est ça. Vas-y, descends, je t'ouvre le coffre, descends. Vas-y, bonne soirée. Pourquoi? Son préfet, il est mort, Miskin. Ouais, on peut comprendre. Ouais, j'avoue. Et dites-moi, les copains, on va braquer quoi là? Les quoi? Désolé. Les copains. Tire-lui les poils du nez, Arrête, Dédé la Rafale, tu viens d'où? Mexique, Tijuana, Basse-Californie. Oh, attends, y'a trop d'informations, Roya là, wesh. Ouais, c'est beaucoup là. Ouais, une ville, donne-moi juste une ville, Roya. Ouais, c'était Tijuana. Eh, il a cru c'était Universalis lui. Pataya, il a dit. Tijuana. Tijuana. Ah, ok, je pense que t'as dit Pataya. Ah, on peut aller, hein. Voilà, c'est bon là. Monsieur, bonsoir, montez bonsoir, dans le coffre. Il y a de la place. Allez-y, faites-vous plaisir. Dans le non, coffre. Non, toi tu lèves. Non, toi tu lèves. Vous inquiétez pas, monsieur, on vous le rend. Hein. Vous lâchez les moyens de communication, téléphone, smartphone. Bon, bah écoutez, le casting est au complet. C'est parti, que la fête commence. Tout le monde descend, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va et vous? Donc voilà, nous sommes en plein braquage de flics avec mes alcooliques. Vos alcooliques? Oui, voilà. Okay. Ici présent. Baby driver? Oui. Trois voitures de police et un hélicoptère. Pour une voiture. Zach Anderson. Ouais, pour une voiture, on commence une négociation. Non, mais il y a un véhicule qui permet de prendre les otages. Il y en a un rack 2, du coup. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est quoi ton plan? Vous allez voir. La surprise. Ok, bah tu me diras où est-ce que je me dirige. Ouais, vous allez bien monter dans mon véhicule. Ça marche. Bon, bonsoir, messieurs, dames. Elle s'appelle Axel. Comment allez-vous? Elle s'appelle Axel. Bah écoutez, nous on veut juste pouvoir partir tranquillement et on vous rend les otages en vie, tout se passe bien et puis tout le monde rentre à la maison quoi. Vous voulez faire partir les otages un par un ou vous les allez laisser? Non, on peut les laisser à l'intérieur ou devant quand on partira et puis voilà, au moins vous les verrez. On peut au moins les voir. Bien sûr. D'abord. Ramenez les otages s'il vous plaît devant. Bah, distribue ce qu'on les bute, hein. Et voilà, trois otages. C'est juste bizarre, hein. Car... Bonsoir messieurs. Ouais, ça va. Yeah, vous en portez de mal. J'avoue, c'est dans l'hélico ça. Ah oui, sans jaille, hein. Ça sent jaillir. Ah oui, il faut qu'on fasse toujours notre date. Par l'après, d'accord. Ah ouais, d'accord. Mais non, mais allez-y, discutez entre vous, tranquille. finissez, tu vois. Quand tu veux la ken, c'est quoi le projet? Si vous êtes prêts, on est prêts, nous. Bah écoutez, le table de temps sera quand on sortira les otages. Ouais, je suis en train de faire. Et on montera dans le véhicule. Allez, viens, on peut partir quand on veut. Baby Driver, c'est quoi le plan du coup? Je vais me récupérer quelque part et après, je me débrouille. Ok, bah du coup, là, on va décoller. C'est des vrais couteaux.
Oh, j'ai posé les affaires et tout. Et le driver, on décolle. Hein. Les otages sont dans la banque. Deux véhicules et un hélicoptère. Je vous envoie une position pour venir me chercher. Vas-y, envoie la main. Je vous explique là, je l'ai fait tout seul très rapidement. C'est un peu un plan Mektoub. Hein. Un quoi? Un quoi? Ouais, c'est le destin qui va nous sauver. Hein. J'adore le risque. Attends, mais y'a qu'une seule voiture. Déjà? Est-ce que vous avez un endroit particulier où vous voulez. Non, où tu veux. Ok. Est-ce que vous voyez en face du parking rouge, il y a un espèce de petit truc avec des bâtons et on peut rentrer sur le côté là? Eh frère, envoie une pause. C'est vrai qu'elle dérape un peu, mais ça va. Elle perd pas trop de vitesse. Elle est sympatoche, quoi, environ, quoi. Voilà. Elle est tonitrien. Tonitrien! Ouh! Elle est quoi, il fait du rasmot. C'est sûr, c'est Riggs. C'est sûr, hein. J'ai les coups du Joule dans l'hélico. Ah ouais, ils sont percés de fou, hein. Les champions. Ouh, bien joué, le virage à gauche serré. J'aime bien. T'as envoyé. Vas-y, mettez la pause. Oh, on est là dans 700 mètres. Ok, je viens au fond, je t'attends. Calme les ceintures, je commence déjà à les envoyer. Ah, je t'entends. Pas d'accès dans le M, s'il te plaît. Nickel. Je suis au feu rouge là, ça. Je suis en face de vous là, juste devant vous. C'est bien. Je me suis mangé une portière. Bon, je vais juger un peu voir à quelle vitesse elle va la voiture à 4 là. Je te fais un massage un peu. Par contre, vous allez vous accrocher, hein, je vous le dis. Vas-y, je m'accroche. On s'accroche. Pour moi, durée. Vous avez mis toutes vos ceintures là? Ah, mon gars, la ceinture soumise. Aïe, là j'ai un peu stress parce que je l'ai fait en 12 secondes le plan. Mais non, t'inquiète. Vends-moi du rêve. La porte, il va. Oh, il est passé. Dommage. Oh, bien joué. Bien joué, c'était beau ça. C'était beau, il a pas pris la bagnole. J'adore quand tu sautes les voitures comme ça. Pas dommage. Voilà, bien joué. T'as sa mère, ça l'a pas bloqué. C'est pas grave, là c'était beau. Y'avait de l'idée. Ah là là, j'ai fait ça tout seul en 2 minutes là. Je mets 8 pour l'idée, 4 pour la pratique. Attendez, vous êtes même pas au courant pendant que vous braquiez. J'ai ramené la caisse là, j'ai appelé un taxi, il m'a déposé en 35ème, j'ai mis la musique de taxi jusqu'à là. Dommage que c'est pas passé. Et après, je suis revenu lui mettre sa voiture. Voilà. Bon, maintenant, les SEM, hein. Là, je lui explique, c'est simple. Hein? On attend que l'hélicoptère, il a plus d'essence. Ensuite, on commence à mettre la cucaracha et alors fait une petite boxe. Vas-y, vraiment du rêve. Oh, y'a un pigeon, il a fait caca. Oh, toi, des blagues de cartoon là, des télétoons, j'en peux plus. Gilly. Un petit saut là. Vas-y, mets un petit. Moyen. Accrochez-vous. On s'accroche. Oh la vache. Et je peux pas d'Alba. Oh putain de merde. Ça fait longtemps qu'on a pas vu cette vache. Ah ouais. Une écrémeux. Ah, il me scotche avec son truc là. Oh, bien joué. Ils ont une bonne accélération, les chiens. Regarde là, il va venir. Hop. Y'a pas de chien dans la voiture. Y'a un pack. Hop. Oh, oui. Il a bugué. Oh non. Il a bugué. Mais il est toujours derrière. Ouais, mais c'est une grosse axelle, c'est 4x4 de merde. Non, ils ont une bonne axelle, donc c'est pas de la merde. 4x4, donc c'est un. 4x4, 16. Ouais. On la regarde dans les yeux, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà. N'importe quoi. Elle nous regarde dans les yeux maintenant. Esquive. Attends, mais c'est bon, c'est les cases lambda, ça va 2 minutes. On a besoin de sensations, mais. Tu m'as dit quoi, Thomas? T'adores les risques? J'adore les risques. Tu sais, mec, j'adore les risques. On adore le risque, tous. Ouais, bah c'est pour ça qu'on aime la vie. Le 4x4 derrière, il a un peu mangé, hein. Il l'a mangé? Il a un peu mangé, il a un peu amoché. Hein. Je pense encore un ou deux chocs et puis ses pneus elles plient. Hein. Et les KO! Combien de rounds pour te mettre KO? Attends, on va. Moi, regarde! Oh, laisse tomber! Hein? Ah ouais, laisse tomber, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Une bête! Un monstre! The beast! A Sarkzit! Sarkzit on the bed! T'es en train de me faire là, mon enfant? Non, parle de. Mais non, parle de nous! Parle de nous, t'es bizarre! Parle de nous! Tonitrien. Perte de vitesse, mais incroyable. Priorité à gauche. Putain. Ils sont racistes.
Pour quel motif? Parce qu'il nous a vu. Parce qu'on lui met la fin. Bon, si on s'en sort, on ira jouer au casino, hein. Je pense que c'est une bonne journée pour moi aujourd'hui. Casino. Un casino. T'es mon Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On te regarde dans les yeux, tu vois pas quand tu regardes mes yeux, hein? Regarde son qui? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes mes yeux, ma pupille dilatée? Voilà. Tu consommes de la drogue, Mathieu? Non, regarde, je suis marocain. Ah, ok. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah, ok. Zilo. Ouais, elle m'a fait peur cette voiture. Hein. Ah, ouais. Ouais, on sait pas s'ils avancent, s'ils reculent, les gens ils font bizarre. C'est un truc, ouais. Tu sais, nettement, ils accélèrent de ouf quand tu passes. Ouais, ouais. Juste quand t'arrives. Genre en mode scène, hein, j'avoue quoi. Comme de par hasard. Plus qu'une voiture, hein. Et un hélicoptère. Bah, de toute façon, quand l'hélicoptère, c'est un peu dur. Non, ouais, l'hélicoptère, je pense, il va bientôt. Eh, au pire, Phil, nous, on est des rats d'égout, hein. Non, mais après, je peux employer des techniques insalubres, hein. Oh, moi, je suis un rat, Phil. Nous, on est des rats d'égout, croyant. Non, mais regarde, moi aussi, je suis un rat. Ma voiture, c'est un raton laveur. Voilà. Regarde, elle va passer dans une trappe, et lui, il pourra pas passer avec son camion. Ouais, derrière la figure. Même pas. Même pas, vas-y, bon. Aïe, mais tu vois ce qu'il fait, lui. Y'a pas wesh, y'a pas. C'est des mecs qui veulent jouer les héros, c'est pour ça. Elle veut que wesh. T'es mal, demi-tour en plein carrefour. C'est une dinguerie ça. Allez, deux véhicules maintenant. Attends, regarde. Hop. Oh. Eh, ils ont mis l'équipe type là. Là, ils sont chauds ce soir. Hein. Ils ont bien mangé. Là, ils ont ken juste avant. Ils ont fait la. Quoi, ils ont trempé le biscuit? Ah, ils ont trempé le biscuit, pas que. Hein. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ils ont ken. Ils ont baisé, ils ont fait l'amour, ils ont forniqué. C'est bon. T'as compris maintenant? Ils ont baisé, frère. Il y a un enfant en préparation. Ouais, en cours de téléchargement. Il y a un adolescent en cours de formation. Mais je dérègue, tu crois que j'ai. Ah, je sais pas, frère, on sait jamais. Tu crois que j'ai jamais trempé le biscuit ou quoi? Bah ouais. Quoi? Bah ouais, j'ai jamais. Ah, pétain. À 46 ans, c'est chaud quand même, hein. 46 ans, toujours plus chaud, frère. Ouais, tu crois pas. Toi, toi qu'il a un enfant. Il est tombé comment cet enfant? T'es avec qui? Il est tombé du toit, Mskin. Sa cousine. Ah oui, c'était ma cousine. Voilà, dingue. Mais c'est un bidon d'essence, ça va. Ta cousine, c'est un bidon d'essence. Oui. Et ma grand-mère, c'est une tartine à la cannelle. Avec du miel. Avec du miel. Ah, bon. Voilà, là, c'est bon. C'est pas mal à la gorge. Bon, regarde, au bout de 15 minutes, ils vont commencer à pit, hein, je les connais. Hein. Ils vont pit personne. C'est fils de pit. C'est fils de pit. Oh, le bus qui aurait pu nous jouer. Oh, par contre, il freine quand il voit les flics, fils de pute. Hein. Voilà. Nous, il accélère. Hein. Petit coup de frein à main. On passe. L'hélicoptère, il a bougé. Hein. Entre les zizi. Hop. Oh, bien joué. L'hélicoptère, il a bougé. Hein. Il a bougé. Ah, ouais. Ok, go. Ah, c'est. Ah, non. Eh ben non. Attends, mais il est où? Mais il est où? Ah, il est au-dessus. J'ai pas entendu. Allez, les canaux. Oh. Pas besoin de canaux. Avec l'hélicoptère, on aura attrapé. Petit dérapage. Hop, on se glisse entre les arbustes, on grimpe. Bon, attends, mais ils sont tout terrain, tout en voiture à eux. Ah, bah, c'est des 4x4, Froya. 4x4. Froya, dernier plan, là on aurait pu sauter et tomber dans l'eau direct si vous avez une tenue. Vous voulez aller dans l'eau? Non, on n'est pas des pites, on n'est pas des pites. Vas-y, pite, c'est un homme, pite. Quoi? Mais. C'est moi, j'adore le risque. Moi, je veux pas de pique-nique, c'est la réserve d'essence. Comme ça, je vais voir ton niveau, Fils. T'as grillé là, j'espère pas. Non, t'inquiète, j'ai fait semblant. Non. De toute façon, c'est qu'un prénom, au pire. Hein. Ah ouais, au pire, ouais. Oui, mais. Ah, bah voilà. Ah, voilà, tu vois. Ah, ça me dégoûte. C'est qu'un prénom, de toute façon. Voilà. En plus, il avait même précisé, balance pas les blases. T'inquiète. Voilà, ta grand-mère. Phil, ça veut dire ressortir en anglais, on s'en fout. Appelle le baby driver, quoi. Yeah, Phil. Ou bien le pilote. Ça me vénère. On rigole, la police, on n'est pas des poucaves, nous. Il a cramé toute ma CV, Phil, t'inquiète pas. C'est Adama, c'est pas Phil, c'est qui conduit. C'est Adama. Ah, je t'en voulais, regarde pas avec ça. Ouais, je t'obéis, s'arrête. Où ça? Non, je crie exprès. Mais attends, mais y'en a plein de trucs. Ah, c'est bon, c'est qu'un prénom, croyant. Hein. Attends, mais c'est. Mais il m'aveugle avec sa lumière de merde. Ouais, c'est fait exprès, croyant. Non, peu plus. Je vais vite, je m'entraîne. Je parle de zéro. Bah, allez, vas-y, baby driver. Ouais, mais laisse-le, laisse-le, ils sont coriaces, croyant. Ouais, ouais, ils sont féroces, mais bon. Eh, quand j'ai vu la baby driving, c'était écrit 5 minutes. Je vais dans un endroit, s'il passe. Mais flicka, derrière la flicka, Roya. Mais non, regarde. Si, mais le 4x4 il passera pas, Roya. Regarde, non, il va pas passer, je comprends. Écoute, derrière la flicka il passera pas, il va bloquer son collègue. Ah, je sais, à droite là. Ah non. Ah oui, je sais, ok, je vois. Ok, je vois aussi, ouais. Ouais, la gauche là ici. Après la droite là, ouais, je vois. Allez, arrête de bluff, toi. Qui est-ce là?
Ils connaissent. Va derrière la flicard, Roya, il passera pas ce 4x4. Oui, je vois, tu veux. Ah oui, le petit. Mais oui, il passera pas, Roya. Et tu continues tout droit après, direction Parking Comico, tu sais. Tu veux que je conduise? Ah non, non. Moi je conduis bien. Non, négatif. C'est mort. C'est clairement un mensonge. Ah, tout à l'heure, on a fait. Il a roulé, hein. Le véhicule a fait 3 salles 3 arrière. En fait, il est persuadé qu'il conduit bien, mais c'est pas le cas. Mais on t'aime bien, Roya. Tu penses, Roya, mais. Non, il y a toujours des hélicoptères. Il y a d'autres qualités, Roya. T'es drôle, t'es pertinent, t'as de l'imagination, mais la conduite, c'est pas ton truc. Si je comprends un peu quand même. Roya, il faut se mettre à l'idée. On a tous des forces et des faiblesses. Oui. Non, mais la conduite, c'est vraiment mon domaine. Non, tu vois, tu te mens toi-même, Roya. Mais non. Allez, bâtard. Ah oui, ça bloque, hein. Vas-y, passe. Ça bloque pas grand chose. Gonfle les gars, fais-le. T'écoutes, Harry. Harry, délaisse. Donne-moi le volant, Roya, sinon. Vous voulez pas toutes deux passes, moi je me balade. Regarde, là tu bloques le 4x4 et en plus il va niquer son collègue. Mais il va anticiper, regarde bien. Ouais, vas-y, je regarde. Non, il te colle. Ok, il te colle. Il te colle, vas-y, go. Direct à droite. Mais trop de temps. T'as plus trop de temps. T'es vraiment très lent, Fils. Non, t'as freiné. Faut pas freiner. T'es vraiment très nul, Fils. C'est pas grave, gauche. Droite. Voilà. Droite. Il est derrière, t'es trop lent, Fils. En fait, le passage là, regarde, faut pas freiner. Faut aller d'un coup. T'es nul, Fils. Arrêtez. Oh. Il est pas nul. Mais non, mais en fait, regarde, ce passage là, tu dois coller à droite et foncer. Faut pas s'arrêter. Moi je le prends pas ce passage là. Ah ouais, bah ouais, faut s'entraîner, frère. Bon quoi. Sinon tu prends le passage après là à droite, mais c'est risqué, tu vois. Ça y est, ça m'a énervé. On passe vraiment droit. T'es vraiment direct. Droite et directement à droite là. Ouais, là c'est chaud. Là t'es chaud, à droite direct. Ouais, là. Trop dangereux le sable. Ah ouais, c'est dangereux, mais moi j'adore les risques. Bah attendez, on va passer à côté du bonbon qui explose. Vas-y. Ah ouais, toi t'es un terroriste quoi. Oh, t'as roulé les R machallah, c'est un truc de ouf. Ah, c'est bon, tu l'as baisé. Ah, t'as droit. Ouais, là, tout droit. Et tu connais le petit passage ici, hein? Tu connais pas ici? Ah non, c'était pas ça. Ça a pété. T'en as à gauche. Ça a pété. Ah, dommage. Oh, bien joué, t'as fini. Oh. T'as un moteur. Chut. Yay! Laissez-moi faire, putain! Trissez pour rien là! Vas-y, prends les rails. attends, bouge pas, bouge pas. Vas-y, bah, collègue qui arrive. Vas-y, go. Hey, Fils! Fils de. Putain, il est derrière. 4x4 derrière. Voilà. Il y a 4x4, oui, c'est pour nous. Mais comment il s'est. Mais ouais. Bah ouais, en fait, quand t'avances, ça fait de la poussière, quoi. Et il est jdid celui-là, il sort du concess, hein. Oh non, il est tout jdid, non. Il est tout jdid, hein. Qui? Bah, le 4x4, c'est un 9. Ok, il est tout. Allez, Phil, c'est tes champions. Appuie sur champignon. Une voiture, Phil, c'est rien pour toi, quoi. Allez, Phil, c'est tes champions. Oui! Il a un collègue loin derrière. Il est lointain. Vraiment loin. Toujours plus loin. Un bébé, oh, it's our time, if my phone. Ils sont tous là. Il y a pas d'hélicoptère. Vous connaissez la musique? One story, it's not on, and the way they want to fit it on. Pite-le. Elle est peur, t'as vu? Je l'ai serré contre le coin. Je l'ai enfermé. Ah, sinon, les gars, il y a un pont où on peut sauter. Tu vois le pont derrière là? Vous avez un parachute ou pas? Sinon, je vous laisse. Ouais, on a un parachute. Vas-y, go, ouais, on a. Des parachutes? Ouais, mais attends, faut s'équiper. Okay. Ah, les mecs, vous êtes plus plat sucré ou plat salé? Sucré. Salé. En vrai, moi, salé, hein. J'adore le diabète. Ouais, moi, je suis un mec, j'adore l'obésité. J'adore le sel. J'adore les gros plats. Attends, mais je vous piège pas là? Là, ça va là? Non, l'autre là-bas, là, c'est... Ah oui, le plus haut, ouais. Déclencher votre Ok. Plus. On va vers la gauche ou droite, les mecs? Droite, en vas-y. Face de vous, parce qu'en face de vous, il y aura le... Le port. Ah, ouais, le petit port, là, vous allez voir, dessus. Fais gaffe, attendez, freinez. Ouais, ils ont anticipé, je crois. Oh lolo, ça servait à rien du tout. C'est là, vous allez en face de vous, à droite. Go.
On saute là. À droite, à droite. C'est parti. Y'a des keufs qui ont sauté derrière vous, je crois. J'adore le risque. Et vous atterrez en face de vous. Et si jamais y'a des poulets qui arrivent, bah planquez-vous. L'hélico est sur moi, merde. Je suis un mec qui adore le risque. Putain, l'hélico est sur moi. Tu dois s'abuser. Une passe D. Bleu, bleu, bleu. J'adore les risques. Je suis un mec qui adore les risques. Et les poissons. Là, y... La poule est à côté de moi, j'adore ça. Oh, ils m'ont vu. Oh, je vais dans la prison, yes. Attends, moi je trouve une échelle et je remonte. Moi je te conseille de pas monter. Hein. Après, si t'adores le risque, vas-y. Je suis un mec qui adore les risques. Oh, hélicoptère juste au-dessus là. Oh, je les vois. Je vais aller sur le cargo. Je vais tirer sur l'hélicoptère. Vous êtes où par rapport à l'hélicoptère? Moi, après, je me suis mis sur le toit d'un camion et je roule avec. Je suis sur un camion d'un mec que je connais pas. Ok, ok, bien pris, bien pris. Et les gars, je vois l'hélicoptère, il s'est posé. Wouh, la police. Wouh. Il me voit? Il me voit pas? Ah, ils ont chopé Hamid, je crois. Oh non. Merde. Putain, il décolle, ça y est, il décolle. Il se barre. Je peux le voler. Qui avait l'argent? C'est moi. Ah, ça bah va. Tranquille alors, bah les bah, couilles. Tranquille, bah oui. Vas-y, moi, je suis là si vous voulez venir récupérer ton berge, je t'envoie une pause. Ouais, je t'appelais. Je suis à pied là. Eh oui, croyez, je suis à pied. Tant, mais... tant. Attends, arrête-toi. C'est à moi? Mais t'es sur le pont là? Ah oui. Mais je suis en bas, regarde, je suis en bas, à ta droite. Oui. Regarde, je suis là. Mais qu'est-ce qu'il est quoi? Ça va, Roya? Ça va, Mathieu? La forme? Ah, il fait plaisir. Ah putain. Ah, forme, t'inquiète, ça va. Envoie la pause à Fils. Il a des flics derrière lui. Bah justement. On attend le risque? Allez. Bien sûr, on attend le risque. Ça fait 8 ans que je suis en course-poursuite, j'ai commencé ma fuite en 2012. Ah ouais, bah du coup, ça fait 9 ans, Roya, en 2021. Bah oui. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Vas-y, on t'entend là, t'arrives? Ouais, j'arrive peut-être en bas ou en haut? On est en bas, Bah j'arrive là. En bas! Attends, t'as pas un bandage? Et là, il est là. Merci. Ah, excuse. Round 2! Et c'est reparti. C'est reparti, comment? C'est reparti pour là, il y a eu un moins un. Putain. On va pas se tomber les uns après les autres, les repas. C'est grave, nous on a l'argent. Ok, je vais tenter un truc là. Fais un saut de l'ange et tout. Je veux qu'on canne, quoi. T'es fou, toi. J'ai vu dans la vidéo de mon fils, Assassin's Creed, il fait le saut à droite. Voilà, ici. Oula. Non. Oula. Hey. Oula, mon petit. Qu'est-ce qu'il y a, Oula? J'adore le ban. Hein? Non. J'entends pas. Non, le banner, Jérôme, le banner. Ouais, oui, ouais, le banner. C'est la box taille. Le K1. Oui, c'est ça. Oh, voilà, on te regarde dans les yeux, tu vas faire quoi? On te regarde dans les yeux, tu vas faire quoi? Oh là, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oh, s'il te plaît, oh, Fils. Qu'est-ce qu'il y a? On maîtrise la marche arrière, nous. Fils, s'il te plaît, j'ai vu un TikTok, laisse-moi faire. Non, mais t'inquiète, Je sais de quoi tu parles. À côté des rails, tu sautes par-dessus le grillage. Exactement. Voilà, on me l'a tous envoyé. Il me l'a tous envoyé, celui-là. Il me percute. Il est ici, là? Hop là, doucement, on fait doucement. Mais attendez, comment ça on vous l'a envoyé? Mais pour être quoi, là? Une technique en fait d'un mec qui a réussi à semer les flics, mais il y avait une seule voiture, ils s'étaient éclatés donc c'est pas le cas. Avec des pensées ancestrales. Clairement pas. Incroyable. Non. C'est incroyable. Est-ce que si ma voiture vole à 1 mètre de distance de haut, c'est grave ou pas? Non. Oh, tu vas juste niquer un petit peu les suspensions, mais tranquille, ça va. 1m25. 1m25, ça va. En marche arrière? Ça passe. En faisant 180? Wesh. On y va. Allez, let's go. Épate-nous. Est-ce que si je fais un saut et ma voiture elle retombe tranquille sur ses pattes? Tu vois, tu poses trop de questions, Roya, juste fais-le. Ah, mais moi j'ai pas envie que. T'inquiète. Fais-le. On verra bien comment ça se passe. En vrai, c'est. Il veut savoir s'il va se faire ban ou pas s'il le fait. T'inquiète, Roya, on a le bras long, vas-y. Non, mais ça va être gentil, hein, ouais. Vas-y. Oh, fais gaffe les plots. Oh, mauvais souvenir. Ouais, je connais. Oh, y'a un mec qui m'a raconté un truc une fois, un délire. Ah bon? Toi, t'adores le risque, toi, vraiment. Ah. Ok, je vois. Oh. C'est stylé, mais ça sert à rien du tout. Mais pourquoi on vole 3 heures comme ça? Normalement, on atterrit juste, tu vois. Je crois que c'est Cax qui a tué la gravité, je sais pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il dit? Mais quoi? Mais c'est mensonge, Cax! C'est mensonge savant! Ah, le singe que j'ai vu à Burger Shot? Ouais, voilà, ouais. Ah, tu parles du singe? Ouais. Je l'ai mis à lui. Ok, ça me vénère. Non, mais tu sais quoi, refais la flica. Passage flica, refais-le. C'est ton rêve, ça? Ouais, c'est mon rêve. Au pire, tu me passes le volant. Non. Comment ça? Comment ça? Attends, non? Tobias, il est meilleur. J'ai un mauvais souvenir, il y a pas longtemps. Souvenir? Mais t'es malade, la dernière fois, j'ai semé en 5 secondes. En 5 secondes? Un moto?
En flika, frère, qu'est-ce que tu racontes? Le passage de la flika, il n'y a plus personne. Même Kefta, il a commencé à... En face? Eh oui. Ah ouais. Eh merde, il y a un véhicule. Ça passe pas. Oh, non, 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 passe pas, non. Il a mis des plombs. Ils ont mis des plombs. Allez, vous les mettez derrière. Oh, c'est un merde. Oh, on a eu chaud. Allez, bâtard. C'est pas grave, il est... tu les as pris aussi. Sauf que là, ils vont revenir à droite. Tout droit. Oh, arrête. Ouais, voilà. Ok, nickel. Ah, merde, putain. Oh, merde. Oh, c'est la merde. Ok, vous descendez. Allez, si on se rend. Oh, c'est rien qui monte là-haut. Je me rends. Ah, toi. J'ai peur, là. J'ai le vertige. Allez, tu descends. J'ai le vertige. Je lève les mains. Je me rends. Vous êtes placé en état d'arrestation pour braquage de flics et refus d'obtempérer. Vous êtes dans la aïe. Bordel de merde. Vous êtes un bon pilote, c'est vous qui pilotez. Non. Voilà. Pas de façon de sécurité, monsieur, je retire votre couteau. Hop là. Oh, bouge pas, ça va bien se passer. Lève les bras. Retire-lui les pinces. Dépêche-toi. Dépêche. Allez, viens, monte. Derrière. Baby driver, viens. Conduis. On prend la voiture de police. Bah oui, allez. C'est une grosse erreur, monsieur. Go. Mais elle roule pas. Mais c'est moi qui ai les clés. Eh merde. Bientôt. Mais t'es sûr, Mathieu, je comprends là? Eh oui, t'inquiète, Roya. On a pris la voiture de la police. Mais je m'en bats les couilles, Roya. Tu voulais le HEPS? Non, mais... Il est où, Tobias? Je sais pas. Tobias, t'es où? Ah, merde. Eh, tu sais que Mathieu, là, ce que je dois faire, là, c'est... J'aurais jamais fait de ma vie, hein. Eh ouais, j'essaie, Roya. Prends notre véhicule. Taser, là. T'as des petits tournevis ou pas? T'as des tournevis? Là, je suis subjugué par les événements. Viens. Je t'ai mis l'adresse. Je la cache. On va pas avec la voiture de police, viens, on... T'inquiète. On appelle un taxi, stress... non? Stresse pas, Roya, stresse pas! Mais j'ai zéro stress, mais faut... on va pas circulationner avec une voiture. Bah justement, va à l'adresse que je t'ai mis sur le GPS. Ça marche pas, le géopard, là. Mais pourquoi? Tu veux te faire remarquer, ou... Bon, on m'a dit, plus c'est gros, plus ça passe. Bien vu. Mais pas tout le temps, Roya. Putain, on a perdu le butin. Eh, hey, mais vous étiez... Mais... Ah! Oh, là, oh merde, ils sont derrière. Mais comment ils savaient qu'on était... Mais non, mais... Ils ont un GPS. Ils ont un traceur sur la... Ouais, ils ont un traceur. Oh non. Vas-y, Roya, hey, t'as le bon 4x4, là. Mais il est un peu fatigué, le 4x4. Mais non, t'inquiète. On va prendre perpète si on se fait péter, là. T'es au courant, Mathieu? Il avance plus, le 4x4, il est wet. Sérieux? Ouais, il transpire, là. On était vachement loin, putain, ils nous ont retracé avec le... Le GPS. Putain, la dinguerie. Mais pourquoi il se lève le véhicule? T'as jamais connu de véhicule de police? Non, bah non. Au pire, ce que tu peux faire, c'est quoi? On va au labyrinthe. Et chacun sa chance. Je t'avoue, je connais pas le labyrinthe. Mais moi non plus, Roya. Mais j'ai un 4x4, je peux rouler dans l'herbe, là. Bah oui, tu peux aller dans l'herbe, Roya. Ça grimpe à gauche, là? Ouais, ça grimpe. T'as une arme? Non. Putain. Je suis tout nu. Eh, moi je vous ai fait un plan, on a sauté une voiture, on a sauté la vie, on a sauté les... On a tout sauté. C'est quoi, j'ai envie de tirer un petit peu sur eux. Attends, continue, c'est quoi, quoi. Chut. C'est quoi? Putain, t'as fait du bruit. Oh, ça passe, c'est bon. Fais pas... Ils sont où, ils sont où, t'as vu, tu les as vus? Ouais, fais pas un bruit, Mathieu, tu te tais. T'inquiète, je chuchote. On joue au roi du silence. Dis-moi ce que je fais. Là, on est d'accord actuellement, on est très loin. Ah ouais, bouge pas, on est bien là. On a pris notre envol. Oh, ils ont pris l'appel. Ah, il va pas jouer. Mathieu, je crois qu'il faut qu'on s'envole vers d'autres mais cieux. Non, reste là, bouge pas. Mais il est tracé le 4x4, tu m'as dit. Viens, on se taille en courant. Ouais, mais c'est pas un infini, tu vois. Il envoie une pause toutes les heures. Une voiture. Viens, on va à l'université, on s'habille en étudiant et tout. Vas-y. Non, mais reste dans la voiture, on y va en voiture, croyant. Moi, je suis un mec, j'adore le risque. T'adores le risque. On va faire genre un stage de police à l'SPDO. Attends, bouge pas. J'ai une voiture là. C'est bon, mais bouge pas, je comprends pourquoi. Pourquoi il nous fait de la suivage facilement. J'ai peur, il nous envoie un hélicoptère. On va se faire cisailler, Mathieu. Je suis un mec, j'adore. On va finir comme des merguez. Mais non, mais là, on est bien là. Ils vont jamais nous retrouver. J'ai envoyé une pause à la police. Hein. Attends, mon ref, j'ai pas prévu de. Tu vois? J'ai pas pris trop RTT pour faire du camping guisé en fait. Là, je vois, tu commences à vouloir t'installer tout ça. Tu commences à bien. Là, je suis yable. T'es opposé? Bah bien sûr. Vas-y, mets les gyros pour voir. Tiens, je te passe un papier. Oh, nickel, merci. Je te transmets mes émotions. Bah vas-y, roule, hein. Qu'est-ce que je te dis? Ils veulent pas venir, hein. T'allumes mes émotions? L'essence, t'en es où? Essence, plus de la moitié. Ça va. Je pense à très bien ce passage, mon Jacob. Mais là, viens, on change de véhicule rapidement, non? Ouais. On va aller chez moi. Oh, sa mère.
Oh sa mère. Mais quoi? Mais oh, hop là. Hop là. Mais ils nous ont... Mais attends, mais... Comment ils ont... Comment ils font, wesh? Je sais pas, Mathieu, je me pose des questions. Mais on devrait pas être dans le secteur, tu vois, depuis le temps qu'on a pris la fuite, on devrait être loin, tu vois ce que je veux dire? Bah non, ça se trouve, tu vois, le plan est pervers, des fois les gens ils restent à l'intérieur. Putain, on aurait dû rester 4 ans et demi ici en fait dans la maison. On aurait dû faire ce qu'on appelle un... Je suis un mec, j'adore les risques. Mais là c'est plus adorer les risques là, et on adore que Dieu, Mathieu, que tu racontes. Ouais, c'est vrai. Espèce de fou. C'est vrai. Comment tu sais ça, toi? Like. Bah, comment ça, je sais ça. Oh, t'es un mec bizarre, c'est quoi ton background? Mon background? Oh, y'a deux voitures, j'adore. Allez, c'est reparti. Oh, j'adore. Ça me fout la haine. Mais là, on est des terroristes, là, tiens, leurs yeux. Là, ils vont sortir les airs, ils vont nous piter tout, hein. Ils vont nous tabasser. Moi, le seul truc que je me demande, pourquoi la voiture, de temps en temps, fait un petit saut comme ça, là, en mode... Ah, parce qu'elle est contente, elle bande. Elle est excitée. Elle a la Charles de Gaulle. Eh ouais. Moi, j'ai un bambou, 20 cm made in Congo, mais jamais il a vu la lumière d'un truc, tu vois. Il est jamais entré dans une grotte. Ah, tu me parles de tes problèmes de sexe, mon pote. Bah, ça se trompe, tu veux te confier, mon ref? Ouais, j'ai des problèmes. Tu sais ce qu'on peut faire? Tu sais, il y a une ouverture au niveau d'une autoroute, ou tu sais, vers l'ancien hôpital. Eh, mais au pire, j'ai un collègue à moi, je l'appelle, il t'embarque et moi je continue la course poursuite. Bah, t'as un collègue qui est dispo là? Je l'appelle tout de suite. Vas-y. Bah, laisse-moi conduire. T'es sûr? Ouais, vas-y. Attends. Je fais des fois, je peux pas. Je peux lâcher le volant. Ok. Ouais, beau gars, j'ai besoin de toi là, c'est chaud patate. Là, actuellement, je suis dans une équipe de police volée avec un individu qui restera anonyme. Et on a besoin d'aide là, faut que tu nous récupères. T'as quoi comme voiture sous la main? T'as la Jester, celle qui arrache le bitume? Oh! Oui! Alors, oh putain, il a niqué. Ouf, il a mangé derrière. Ils ont mangé. Ils ont goûté? Ouais, ils ont goûté, ouais. Je t'envoie la pause, t'as reçu? Tu la mets là, t'es sur l'autoroute. Ok Mathieu, ça va être chaud patate mon frère. Il l'a foutu où la voiture? Il va la mettre à un endroit où nous on va sauter. Vas-y. Comme ça on sera tranquille. Là avant qu'on aille à la voiture, je vais tenter une dernière esquive. Et après bon, on va sur place mon frère. Au bout d'un moment, il faut y aller. Hein. Mais non. Oh. Aïe. Il m'a touché violent. Il me sortait les mains en l'air. Ah, c'est bon, on se rend. Allez, compte le véhicule. On se rend. Allez, toi. Enlevez votre cagoule. Pas trois fois. Bah, je peux pas, j'ai les mains en l'air. Enlevez votre cagoule. Bah, je baisse les mains alors. Oui, enlevez votre cagoule. Ça va, stresse pas, tranquille. On est des gentils, nous. Aïe, j'ai mal à la frette, j'ai le front qui ressemble à un kiwi. Encore vous? Ouais, encore monsieur, ouais. Pourquoi encore? On s'est vu hier, non? Non, on s'est vu, je l'ai soupé son petit gun à monsieur Khanez. Ah, vite fait, ouais, c'était vite fait. Vite fait? Ouais, c'était vite fait, t'as là. T'as créé calibre. Wouah, pff, trois fois rien. Comment ça, trois fois rien? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Très vite, on va sur le site. Comment ça, trois fois rien? Mais quoi? Bah... Oh! Ah, comment? Ça va ou quoi, Mathieu? Allez. Ouais, ça va et toi? Tu veux que j'ai braque, moi, je des breaks, tu libères? Ouais, du fou, 15 000 dollars. Non. Vas-y, 30 000, c'est la break maintenant. Bah vas-y, on va te laisser tranquille, je te tire les cheveux là. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu vois là? Je crains pas les cheveux. Je rigole, c'est bon, c'est pas de problème. Ah, t'as fait quoi pour être là toi? Incroyable, même moi je sais pas. Un braquage. Oh, n'importe quoi, braquage. Il a fait un braquage de banque. Ouf, n'importe quoi. Allez, sortez du scout et montez dans la Felon, monsieur. Ah bon? Moi je sais pas, j'ai envie de monter. Oui, dans la Felon. Non, vous êtes bien à côté de la voiture, vous m'ouvrez la porte. Ah, les R, c'était pour lui? Oui. Ouais, oh, wow. Sauf qu'on les a pas mangés. J'ai ramené 0,5 et je ramène le scout. Ouais, t'inquiète. C'est pas quoi mon pote? Ouais, ça va. Putain, on a fait 4 rounds quand même, hein. Ouais, je sais. Vous êtes solvable ou pas du tout? Bien sûr, je suis solvable. Oui, c'était gagné de base. Bon, on veut s'amuser, on s'en fout. Eh les gars, le but c'est pas de gagner ou de perdre, c'est juste de s'amuser. Je pense tu pas vois. Que j'allais rester longtemps, j'avais. Wesh, Hamid! J'arrive! Mais non! Ouais, j'arrive, attendez-moi, j'arrive! 36. Bah, tu peux sortir le monsieur de la voiture, s'il te plaît? Ouais. L'amende. J'arrive, les mecs, je paye l'amende, j'arrive! Ils ont eu les 4, c'est un sans faux avec les SPD. Putain, c'est un sans faux avec les mecs! Chine doit de la cahier? Monsieur Khan, ça va pas ou quoi? Bah attendez, on m'a poussé dans les escaliers, je suis désolé! Je vais juste vous fouiller, je voulais te demander de vous retourner. Ouais, ça t'a déjà été fait, mais allez-y. Je veux juste... Ouais, vous avez raison, il faut bien faire son travail. Touche pas à mon god, c'est pour ma femme. S'il te plaît. Pas de problème. Oh la vache. Vous êtes au courant, monsieur, que du coup, la limite... Pardon ? La limite d'argent tolérée sur soi en ville, c'est 2500. 2500 ? Non, j'étais pas au courant. Allez, bah du coup, voilà, vous êtes au courant, je vais devoir confisquer l'excédent. Mais non ! Oh putain. Et, si vous voulez le récupérer, vous devez me présenter une justification, d'accord? Ah ok, ça marche. Pourquoi si un justificatif? Ouais, c'est ça, ouais. Un ticket de caisse ou SAV ou quoi.
Ouais, voilà. J'avais de l'argent sur moi, j'avais même pas. 500 moins 40 000. T'es noix de la caillette, On t'a baisé, c'est noix de la caillette, Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Oh, rien, j'avais 45 000 sur moi, j'avais oublié. Non, c'est. Mais n'importe quoi, c'est le chèque de banque du Burger Shot, tu devais nous payer. Non, regarde, c'était pas un chèque. Est-ce que vous pouvez présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît? Payer sous le bureau. Ben oui. J'avais de la chance, j'ai oublié le refus de mon père. Et toi, t'as pas de chance, Roya. Oh là, je vais te couper les cheveux, mon pote. Ah ouais, c'est Mathieu Hannes, le coiffeur du LSPD. Non. T'inquiète pas, Roya, bouge pas. Tout va bien se passer. Je te coupe juste un petit peu un dégradé. Ouais, pas. Bon courage, Roya. Beau gosse, hein.